La structure du tourisme en France, donc ça aussi c'est le chiffre de mardi, 65% des Français partent uniquement en France. Uniquement en France, voilà, 65%. 24% partent uniquement à l'étranger et 11% font les deux. Voilà la structure du marché. C'est important parce que, notamment quand on entend, on a vu le bilan là, récemment, il y a jeudi, le bilan du CETO, par exemple sur la baisse du tour operating qui est réel, sur les forfaits, mais il faut savoir que les tour opérateurs sur une petite partie de l'activité touristique, puisqu'ils sont plutôt dans ceux qui partent à l'étranger, donc c'est les 24 plus 11, 35%, et sur des forfaits, alors qu'on voit que les gens sont en train de faire du dépackaging, ils achètent de plus en plus des prestations sèches, l'hébergement plus le vol par exemple, et donc ils ont tendance à moins acheter de forfaits. Donc la tendance qui est exprimée par le CETO n'est pas forcément la tendance de l'ensemble du marché touristique. Mais ça c'est important parce que ça veut dire comme, vous allez voir d'ailleurs, quand ils vont à l'étranger,